Hey hop tout le monde, c'est Delta Dragon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo invocation sur Genshin Impact. Donc j'ai déjà balle sur mon compte, mais je veux des constellations. Donc là je vais dépenser ce que j'ai sur le tout début de la bannière, et il y aura une autre partie de la vidéo qui sera sur la fin de la bannière pour vraiment lâcher ce que j'ai en reste sur la bannière. Donc je suis déjà à 20 sur les poules, et on est parti tout de suite. Alors, Sayu, je l'ai déjà C6, Rosaria, je l'ai déjà C6, et Sarah, il me manque qu'un seul doublon pour l'avoir C6. Donc, tout ce qu'on veut, c'est une petite Sarah. Donc là, on va déjà être à 30. Donc, on veut du Sarah, évidemment, donc Sayu, on s'en fout un peu. Après, ça fait des Astéries pour les doublons de Keia que je veux aussi plus tard. Donc, c'est pas dramatique. Hop. Alors je pourrais avoir des multis avec 2 4 étoiles, ce serait bien. Et ben voilà, Sarah passe C6. Super. Ok, bon. Première multi, fallait s'en douter, on l'aurait pas eu tout de suite. Hop, donc on est parti. On monte jusqu'à 40. Je peux potentiellement faire tomber un 5 étoiles maintenant. Après, si j'arrive pas à avoir de constellation de Raiden. Dans tous les cas, je peux garantir mon prochain perso. Même si c'est un 50-50 perdu, ça peut être Signari, que j'ai toujours pas. Ou ça peut être des doublons d'autres persos, mais ça peut garantir aussi le prochain perso que j'ai. Donc là, on est parti pour la troisième petite multi, donc ce qui nous amène à 50. Ok, donc toujours pas le 5 étoiles qui tombe. Hop. Ok. Alors. Il n'y a pas vraiment d'armes que je veux ou quoi, donc. Et j'ai déjà tous les 5 étoiles. Hop. Et on est parti pour le 60. Ok. Bon, on va passer parce que, bon, malheureusement. Par contre, Sayu, elle tombe beaucoup là. Hein. Nouvelle Xiangling. Bon, ce sera la dernière multi du début de la vidéo. Et ensuite, on se retrouvera à la fin du portail. Donc, dernière petite multi. Il faudrait que le 5 étoiles tombe maintenant. C'est dommage. Bon, bah, ce sera pour la suite de la vidéo. Tant pis. Hop. Encore une Sarah. Bon, déjà pour cette première partie de vidéo, hop. Normalement. Alors, oui, comme vous pouvez constater, je ne l'ai pas monté. Tout simplement parce que je l'avais passé 6 et que ça servait à rien. Donc, voilà. Et ben, on se retrouve tout de suite. Pour vous et pour moi dans 20 jours, pour la suite des invocations. Bon, on continue les petites boules. Ça peut être bien. Absolument pas. Ok, ouf, le vieux diff qui fait mal. Allez, une multi de plus. GTA, 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 12, 13. J'étais à 5. GTA 13. Hop. Oh, il était dans le turfu. Une multi. Elle 6, on n'est pas près de le voir. On était le. Hop, on est 23. Bon, bah, malheureusement, ça va être passé. Dommage. Ah, bah, tiens, ils ont été gentils. Ils m'ont donné une fluorescence. On est de retour pour la suite des invocations. Donc, là, j'étais à 23 et on se retrouve avec deux multi possibles.
On va peut-être pas faire sur Hayato, sachant qu'on veut la deuxième constellation de balles. Donc on est parti avec la première multi. Donc là, 32. Bon, après, je passe si j'ai rien. Je vous rappelle que j'ai tous les 3 persos C6. Et on est parti pour la petite multi restante pour être à 43. Et malheureusement, c'est du 4 étoiles. Et c'est Rosaria. J'aurais préféré en avoir 2 pour avoir plus de poules. Mais bon. Et ben, on se retrouve quand j'ai re quelques primos. Bon, reprenons. Ce sera sûrement l'avant-dernière multi de mon compte parce que comment je peux vous expliquer? Là, j'ai de quoi faire une multi. Ensuite, sur les 11 jours qui restent, pour moi, il va me rester assez pour monter normalement jusqu'à une multi. Et en fait, le problème, non, c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est que, à regarder, j'ai torché mon compte. Voilà, j'ai le désert à 100%. Et sous mes roues, bah, c'est 95, 92, 84, 87, 96, 88. Donc c'est vraiment des petits détails pour ce qui va me rester à faire. Donc on va prier pour l'avoir avant d'être à 70. Parce que là, ma multi, elle va me faire passer à 53. Donc on y va tout de suite. Et malheureusement, ça se passe assez mal. Alors, on va. J'ai une single. Et non, toi tu peux aller niquer ta race. Hop, et là on est d'accord que si je veux en acheter, je peux en acheter que 6. Ce qui fait que j'aurai pas assez. J'ai déjà tout acheté. Bon. Bon, on se retrouve tout de suite pour vous et pour moi dans un très long moment pour la suite. Bon. J'avais oublié qu'il y avait le live qui nous donnait des primos, 300 primos. Donc j'ai encore une multi de dispo. Donc, on va essayer de l'avoir. On était la dernière fois à 53, donc on va monter à 63. Et on va prier. Allez, prions fort, faut que j'ai de la luck là. Dommage. Donc malheureusement, il reste 10 jours. Ça va être compliqué. Très compliqué. Bon, je peux peut-être faire une petite single en vidéo là. Voilà, bon bah. Vous pouvez voir que les singles, ça me porte chance. Et ben on est à 64. Alors, je vais sûrement refaire des singles dernier jour. Sauf si j'ai une multi. Et on verra pour la suite. Je suis à 1700. Je peux faire encore une multi. Donc j'étais à 64, on va aller à 74. J'ai pris un petit pack faveur de l'astre là à 5 euros pour avoir 300 cristaux. On remercie la chaîne Bimflex pardon pour tous les tutos qu'il fait sur le jeu pour les quêtes cachées et compagnie. Et là j'espère vraiment que c'est la bonne. Donc on y va. Allez. Il n'y a même pas de 4. Il n'y a même pas de 5 étoiles. Ok, 2 fois 5. Alors, attendez. Ok, je peux faire un truc. On est à 74. On va vraiment, vraiment abuser du bail. Et on va partir sur des singles. Donc 75. Y a pas. 76. Y a pas. 77. Y a pas non plus. On n'a pas de bol. Bon bah je vais réessayer de me faire quelques primos pour vous faire quelques singles. Bon, j'avais encore les escapades, donc j'ai pu me démerder pour monter à 162. Donc on va faire une petite single, pardon, une multi. Une petite single qui me fera monter à 78. J'espère que le perso sera là. C'est parti. Et bah non. Bon, j'ai revidé mes escapades. Il m'en reste plus que deux de toutes les escapades que j'ai. Donc là, on va faire les deux singles suivantes, en espérant que le perso tombe. Donc j'étais à 78 la dernière fois. Donc petite single pour le 79e. Et c'est le 5 étoiles. Maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ce soit le bon. Ah, oh, super, Sugoi. Il était temps. Alors les gars, je vais vous montrer Petit pourquoi. navire. Attends, je vais montrer aux gens pourquoi il était temps. Regardez, Sumeru, le désert,
100% partout. Sumeru la ville, quasi 100% partout. Mes quêtes, ça donne ça actuellement. Mes escapades, ça donne qu'il me reste ça actuellement. Donc autant dire que sur mon compte, il n'y a plus grand chose. Je vais même vous montrer mes succès pour que vous puissiez voir. Regardez le nombre de 100% qui est affiché. Et les trucs où il n'y a pas 100%, c'est parce que je ne peux pas le faire en 2 jours. Donc là, on va devant vous aller mettre cette putain de C2. Voilà. Ça y est, elle va taper maintenant. Hein ? Et encore faut-il que madame décide de crit. Elle a combien de crit chez moi ? 56%. Bon, je suis en train de farmer le set pour trouver de meilleurs artefacts, donc on verra. Mais au moins, ça aura été long, mais je l'aurais eu. Je peux vous dire que là, je vais peut-être faire une petite pause de Genshin Impact pendant un petit moment. Donc sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à regarder dans la description les tutos que j'ai pu déjà faire, si ça peut vous aider. Et moi, je vous dis ciao. Bisous. Alors, je sais que j'ai dit au revoir sur la vidéo, mais petit débrief juste après les longues sessions d'invocation que j'ai faites. Bon, j'ai vraiment plu énormément de primo, mais la balle est C2, donc elle est là. Voilà, là, ça c'est 2, j'irai pas chercher à C3, ça sert à rien, largement. Au moins, elle a son C2. J'ai pas son arme, mais je pourrais peut-être me focus sur ça la prochaine fois que son arme vient, s'il y a une deuxième arme avec elle qui est bien. J'ai vidé ma map, littéralement. Hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, la map est vidée. Il me reste plus que les hidden chests à trouver, limite. Donc les coffres cachés, pour ceux qui connaissent pas le mot. C'était long. C'était dur, parce que quand vous avez votre map aussi bien avancée pour trouver les petites quêtes, les petits coffres, voilà, c'est compliqué. Je me suis beaucoup servi de ce gadget-là, le détecteur de trésor, parce que sinon, c'était impossible à trouver tous ces primos. J'ai remarqué aussi que les statues des 7 ne pouvaient pas se mettre au max, ce qui veut dire clairement que... Bah, vous avez 60 primo qui vous passent sous le nez, et quand vous passez 2 bonnes heures à regarder à suivre des vidéos exprès pour trouver vos Dendroculus, ça fait mal, très honnêtement, parce que vous vous dites que vous avez perdu 2 heures. Ensuite, il y a eu quoi qui m'a saoulé? Bah, cet arbre, ils aiment bien mettre des trucs, mais ils nous bloquent. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer, j'ai... non, pas là. J'ai ça. Voilà, j'en ai 113. Mais je peux plus les utiliser parce que Agnenia, l'arbre, il a un level, on attend que la mage sorte pour que vous le finissiez. Bah non, en fait, si vous mettez un nombre de pièces, faites en sorte qu'on puisse les dépenser. Parce que là, je sais pas, je pense pas que j'aurais pu avoir des invocations en plus. Mais au moins, je pouvais avoir quelques petits trucs, quoi. Je pouvais m'approcher. Mais bon, ça c'était chiant. Après, le point positif, c'est que j'ai quand même eu énormément de chance. J'ai eu 2 balles, j'ai gagné 2,50-50 d'affilée. Autant dire que je pense que la prochaine fois que je vais invoquer, eh ben, je vais pas gagner mon 50-50. Ce qui sera dommage. Après, c'est un gacha, hein, c'est la luck. Au moins, la balle est C2. L'objectif est accompli. Je ne vais sûrement plus traîner trop sur Genshin ces prochains jours. Je vous ferai quand même des tutos, mais moi, j'aurai pas plus rien à faire. Hein. En fait, je vais me connecter jusqu'à la prochaine mage. Je vais faire mes quotidiennes. Faire mes donjons, et puis voilà, ça prendra 10 minutes chaque jour, et ce sera tout. Du coup voilà, bah, c'est les péripéties que j'ai eues pendant que je cherchais. Alors merci la chaîne de Beamflex et certaines petites chaînes que j'ai trouvées qui montraient les quêtes cachées, les coffres cachés, comment speedrun certaines quêtes, parce qu'il y a des quêtes où il y a franchement du dialogue, mais... C'est des quêtes secondaires, on s'en fout. Autant les quêtes histoires, je veux bien. Les quêtes histoires de perso, je les ai suivies. J'ai quasiment tout fini, parce que j'avais quand même 6 quêtes de perso à faire. Mais voilà, donc du coup, bah, c'est tout ce qui s'est passé pendant les invocations. Et là, je vous dis vraiment, ciao. N'hésitez pas à vous liker et à abonner. Et on se retrouve la prochaine.